Eh bien salut à toutes et à tous, l'âme compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de notre incroyable aventure sur Sons of the Forest, la saison 2, épisode 41 les amis. Je viens de rejoindre le monde, oh parfait, je peux encore reprendre des grenades, c'est parfait. Dernier épisode les amis de notre incroyable aventure, donc accrochez-vous parce que cet épisode va un petit peu durer évidemment et pas pour rien puisqu'on va tout simplement faire les boss final. J'avoue que ça va être super fun, super intéressant, vous allez peut-être me voir rager, je ne sais pas encore. Mais arrête ! Puisque, bah, souvenez-vous, la saison 1 quand on avait terminé la série, on avait fait quoi, une vingtaine d'épisodes, même pas. Voilà, la fin était quand même relativement simple. Il n'y avait même pas vraiment de boss final d'ailleurs. Or là, il y a eu plein de mises à jour entre temps que je n'ai pas suivi parce que j'ai pas voulu me spoil, vous le savez. Donc la fin a changé. Apparemment, je sais quand même qu'il y a un boss final. Mais voilà, il y a aussi les démons qui vont nous embêter. Et puis plein de subtilités peut-être, je ne sais pas. Et je sais même plus comment faire pour finir le jeu réellement. Je sais où il faut aller. Mais après, je ne sais plus où il faut aller. Voilà, je sais où rentrer, mais après, je ne sais pas comment ça se passe. Mais les amis, avant de commencer cet épisode, je voulais quand même vous montrer quelque chose que j'ai fait en off. C'est un petit peu tout con, vous allez le voir. J'ai fait, donc vous reconnaissez notre ancienne base ici, enfin notre base tampon si je puis dire, j'ai fait une tyrolienne, enfin plusieurs tyroliennes nous permettant de monter en haut et non pas en haut de la montagne. Vous allez voir, c'est très décevant. C'est très décevant. Donc je n'ai plus de tyrolienne, hein. Il faut le savoir, je n'ai plus de zipline. Voilà, donc je me suis fait raqueter tout seul. Mais voilà, je voulais faire en fait un réseau de tyroliennes pour monter tout en haut. Puisqu'on a fait dans le dernier épisode un réseau de tyroliennes pour monter tout en bas, pour descendre pardon tout en bas. Et bien là j'ai voulu faire un réseau pour monter tout en haut. Sauf que bon, vous allez voir, je me suis fait un petit peu arnaquer. Puisque j'ai peut-être pas fait le meilleur des chemins. Et puis c'est surtout j'ai plus de tyroliennes. Et c'est très compliqué, on dirait pas là, c'est cool à monter, c'est très agréable. Mais on dirait pas, mais c'est très compliqué en plus, ouais, ça glisse et tout, c'est une galère. Je vous montre juste quand même tout en haut comment c'est sympa. Si c'est possible. Voilà, alors là par contre faut se concentrer parce que c'est pas simple. Là quand on va drop il faut vite sauter. Attention. Voilà, c'est bon parce que sinon on redescend tout et on meurt, hein. Voilà, enfin quasiment en tout cas. Hop, ensuite on va ici. Voilà. L'occasion pour moi bien sûr de vous remercier. Alors je pense qu'on le fera pour l'outro, vous inquiétez pas. Mais voilà, vous remercier toutes et tous d'avoir rejoint cette série d'ailleurs au fur et à mesure. Il y a eu différents types de commentaires sur cette saison 2. 41 épisodes quand même, c'est pas rien. C'est quand même le double de la saison 1, de ce qu'on a fait. On en a fait des choses, quand même. Et voilà, vous m'avez découvert au fur et à mesure. Ah, il y a de l'eau qui coule ici. Ah, j'avais même pas vu. Voilà, et là, je me suis retrouvé bloqué, je vous montre juste. Genre, c'est sympa, mais comment je fais pour monter là-haut? Et bah, du coup, j'ai mis une dernière tyrolienne ici. Mais ça ne suffira pas. Voilà, je me suis retrouvé un petit peu... Oh non. C'est bon. Voilà, donc là, bon, de toute façon, j'ai plus de tyrolienne. Mais là, c'est compliqué. Pour monter, là, c'est compliqué. On a juste ici, d'ailleurs, si vous regardez un petit peu. Je suis en train de perdre ma voix, excusez-moi. Hein, c'est vraiment la décadence. Là-bas, on a. Vous avez la petite grotte de glace. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, ce réseau de tyrolienne ne sert à rien. Alors, à terme, je vous rappelle comment va se passer la suite de l'aventure. Parce que vous n'avez pas été très nombreux à regarder le dernier épisode. Je peux comprendre, il n'était pas forcément intéressant. Aujourd'hui c'est le dernier épisode de la saison 2, on va faire le boss final. Par conséquent il n'y aura pas de prochain épisode, c'est la fin, il faut faire le deuil. Cependant, il y aura après la mise à jour 1.0. Dans le cas où il y a énormément de nouveautés, suffisamment de nouveautés, s'il y a vraiment beaucoup de nouveautés, que ça change vraiment la donne, et qu'on peut être amené à faire donc une nouvelle saison, et ben je ferai une saison 3. Par contre... Si malheureusement, parce que c'est pas impossible non plus, hein, si malheureusement les nouveautés sont catastrophiques, je veux dire, s'il y a que 3 trucs qui sont nouveaux, hein, la map elle change pas, il y a 3 nouveaux objets, voilà, ça vaut pas le coup de refaire une saison 3. Donc dans ce cas-là, on retournera sur cette sauvegarde et on découvrira les nouveautés ensemble sur cette save. Voilà, donc d'où l'intérêt de préparer des petits réseaux tyroliennes qui nous permettront d'aller d'un point à un autre assez facilement, c'est plutôt pas mal. Du coup voilà. Et ben maintenant qu'on est monté, on va tout redescendre. Et on va du coup... Ah mais du coup j'ai plus le delta plane. Ah ça c'est chiant, ouais, parce qu'on avait, souvenez-vous, avec le mode fabriquer l'hélicoptère qui a des pops. Et du coup je n'ai plus de delta plane. Ça c'est un petit peu con. Ça aurait été pratique
pour aller à notre point. Mais c'est pas grave, on va y aller en marchant. De toute façon, c'est un petit peu le moment nostalgie. Et surtout, très important, il faut que je récupère Virginia. Il faut que je récupère son fusil à pompe. C'est beaucoup trop important là. Il faut que je récupère son fusil à pompe. Oui, parce qu'il me faut des armes pour la fin du jeu. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai préparé. En fait, j'ai pas vraiment préparé grand chose. Bon, là, vous avez vu, j'ai ramassé les grenades juste avant. Ah, bah j'en ai 9, ça tombe bien. J'ai le pistolet, j'ai les revolvers. Bon, j'ai le pistolet paralysant que je vais jamais utiliser. Je viens juste de crafter avant 3 bombes collantes. Bon, le pistolet à cordes, donc j'ai pas de zipline. Rail de fusil à pompe, donc je vais pouvoir le mettre après quand je récupère le fusil à pompe. J'ai 3 molotov, mais je peux d'ailleurs en faire 5. Ce sera plus pratique. Voilà, j'avais check encore au niveau des flèches que j'ai. 13 flèches de pierre, 7 flèches explosives. C'est pas énorme, hein. 20 carreaux d'arbalète et 13 flèches en fibre de carbone. Donc j'ai l'arbalète, bien sûr. J'ai un arc à poulie que je n'utiliserai pas. Bon, j'ai mon katana. Bon, on va voir comment ça va se passer. Il faut juste que je remplisse aussi mes stocks, donc de boissons, de nourriture. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, je vais en profiter pour manger quelques petites baies qui ont poussé. Encore une fois, ça c'est pratique, hein, mais avec le mode qui enlève les animations. Bon, il n'y a pas d'animation quand tu manges les baies. Mais je le rappelle, hein, si jamais vous me voyez, bah, je vais vous montrer un exemple. Si vous me voyez manger, regardez, une barre énergétique, hop, vous avez vu, ça monte instantanément. Je rappelle que j'ai installé un mode, voilà, qui permet d'enlever les animations. Donc ça permet d'être quand même un petit peu plus rapide, parce que c'est un petit peu chiant les animations, on va pas se mentir. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça parce qu'elle est bonne, surtout, la viande est bonne. Non mais je me serais fait une viande bouillie. Ah bah attendez, vous savez quoi? Je vais boire, voilà, et comme ça je vais me refaire une viande bouillie à la maison. Ok, ça part un peu dans tous les sens. Je vais essayer de rien louper, de rien oublier. Oh non, c'était pas ça que je voulais faire. Bah oui, je voulais vous montrer. Oh non, attendez. Parce que là, vous savez que par là, on arrive à notre base. Mais j'ai fait autre chose encore. Attendez. Ok, on remonte. Bah oui, c'était pas ça le plus important. Hop. Voilà, en toute sérénité. Ça se passe ici les amis, regardez-moi ça. J'ai mis une autre tyrolienne là. Bon, du coup je l'ai fait dans l'autre sens à la base. Et ça c'est pratique. C'est ça qu'on aurait dû avoir depuis toujours. Alors bon, par contre c'est vrai qu'il y a cet arbre qui dérange. Donc t'es censé arriver là. Voilà. Impeccable. Et d'ailleurs ce qui est super chouette, c'est que souvenez-vous, je voulais à la base ici faire une petite maison à un moment donné. Et là du coup on a la vue sur notre base là-bas quoi. C'est marrant hein. Et là en fait on va pouvoir descendre par ici. Et là c'est tellement pratique. Je sais pas, je trouve ça mieux et ça fait moins peur de passer par là parce que c'est plus dégagé. Je sais pas comment dire. Et puis c'est plus direct, voilà. Hop, on passe au-dessus du petit étang. C'est magnifique et on arrive ici à la maison. Impeccable. Bon, ceci étant fait, premier truc. On va remplir le flacon avec l'eau. Que nous n'avons donc plus maintenant. Ah, il y a quand même l'animation là. C'est vrai qu'il a pas plu par contre depuis super longtemps. Hein. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'il a plu. Mais il a pas plu depuis longtemps. Ensuite, on va remplir la casserole avec l'eau ici. Hop. Magnifique. Et comme ça, on va pouvoir se faire le bouillon qui va nous. Enfin, la soupe qui va nous accompagner. L'écureuil qui est rentré dans la maison, ça va ou quoi? L'écureuil. Enfin, la soupe qui va donc pouvoir nous accompagner. Pendant un bon petit moment, sans périmer, comme ça on est tranquille. Hop. Hop, la viande cuite. On va en mettre 3. Ce sera encore plus consistant. Voilà. Maintenant, il faudrait juste que Virginia vienne. Ce serait plutôt pas mal. Donc, niveau boisson, niveau nourriture, on est bon. En termes d'eau saine et de nourriture saine. Ensuite, on a des barres énergétiques, pas mal de boissons énergisantes. Les médicaments, je sais plus jusqu'à combien on peut en transporter. Dans le doute. Voilà, voilà. Bon, après on aura l'occasion. Ah, mais il y a plein de molotovs. Ben voilà, il y avait des molotovs là ici. Parfait. Des conserves. Les conserves. J'ai pas de conserve sur moi. Alors ça se tombe super bien. Bon, je pense qu'en vrai de vrai, ça devrait suffire. Mais c'est surtout pour la santé. J'ai vraiment envie d'avoir un stock très important. J'ai pas de médoc là. Hein. Bon, j'en trouverai, vous inquiétez pas. À mon avis, dans les grottes, on va en trouver quand même pas mal. Calvin, un dernier mot avant de plus me voir. T'inquiète, on se reverra. Je ne partirai pas de l'île. C'est promis. Ah bah j'avais aussi commencé un réseau tyrolienne de ce côté là-bas, mais je l'ai jamais fini. Voilà. Hop.
Parfait, très bien. Oui, je vous montre quand même en attendant que ça boule. J'ai fait un petit réseau de tyroliennes qui va là-bas, mais je l'ai jamais fini parce que je me suis fait attaquer par des indigènes, justement. C'est pas mal, hein, regardez, ça avance super vite par là. Hein. Et après, bon, bah, à terme, ce serait pour pouvoir continuer par là-bas, quoi. Non, mais ça va être trop bien. En vrai, j'ai hâte de découvrir les nouveautés de la mise à jour. Alors, d'un côté, ce serait chouette de faire une saison 3, mais de l'autre côté... Ok, c'est un animal qui faisait des bruits de pas là. Mais d'un autre côté, bah en vrai, ça va être trop bien de découvrir les nouveautés aussi sur cette sauvegarde. Donc bon, on verra. On verra. Moi, je suis quand même nostal. What? Mais PTDR. Par contre, je suis passé je sais pas combien de fois par là. J'ai jamais vu ça. Superbe! Allez, let's go! Bon, pourquoi pas? Comme quoi, hein, on en découvre tous les jours. Mais voilà, en tout cas, je suis très, très nostalgique de ce let's play. Comme dit, vraiment, vous avez été super nombreux à me découvrir. Mais je vais pas faire l'outro maintenant. C'est vraiment pas du tout le moment. Là, on va vraiment se focus et se concentrer. Ce qui veut dire la même chose hein, pour les anglophobes. On va vraiment voilà, aller terminer le jeu en beauté. Alors, c'était pas cette tyrolienne que je voulais, c'était celle-là. Voilà. On va prendre. Ouais, mais moi il me faudra Virginia, putain. Virginia elle saoule. Hein. Va falloir que je la cherche là. Va falloir que je la cherche pour prendre son fusil à pompe. Enfin, du coup, c'est le mien. Hop, ça c'est pour moi. On y va, les amis. On va juste choper Virginia sur le chemin et on va se retrouver à la fin du jeu. Par contre, c'est vrai que c'est super pratique d'avoir fait ce chemin tyrolienne qui descende. En vrai de vrai, c'est ingénieux. Hein. Je suis vraiment super content. Parce que là, ça permet aussi de récupérer des loots là. Et puis jusqu'ici, du coup, j'ai pas besoin de tyrolienne. Oh, l'élan! Bonjour, monsieur l'élan. Hop, s'il y a moyen de récupérer des trucs encore, voilà, les barres énergétiques, tout ça. Ah, bouteille d'alcool, magnifique. On va boire ça et... On se calme. Hein. Ah! Trou de balle. Ils font peur, les élans, c'est bon? Ils me font trop peur les élans. Eh, j'ai plus peur des élans qu'autre chose. Bon, je sens que cet épisode là, je vais crier. Hein. Ah, je sens que je vais crier. Bon, Virginia, ma belle. J'espère que je me rapproche de toi. Évidemment, elle fait tout pour s'éloigner de moi. Enfin, du coup, c'est moi qui m'éloigne d'elle. Voilà, bon, on va la retrouver. Enfin, c'est une critique constructive, hein, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de pendus aux arbres et c'est abusé. C'est franchement exagéré. On a compris. On a compris. Franchement, c'est quand même exagéré. Virginia, coucou ma pépuce. Bon, tu m'excuseras. Je vais avoir besoin de ça. Je te fais confiance. Je sais que tu sais te défendre. Mais voilà, je vais vraiment avoir besoin du... Ouais, t'es déçu, je sais. Mais au moins, voilà, là, on a quelque chose. Avant de rentrer dans la grotte tout à l'heure, on fera juste bien les raccourcis clavier comme il faut. Parce que là, pour le moment, je suis pas sûr de mes raccourcis clavier. Mais là, en tout cas, on va se rendre donc direction la grotte finale. C'est vrai que là, si on pouvait y aller en hélicoptère, ça aurait été génial. Mais je rappelle, le problème, c'est que bah, l'hélicoptère dépop, malheureusement, à chaque fois. Donc, en soi, je pourrais le faire respawn. Mais je trouve pas ça legit. Et moi, vous savez, j'ai pas cheaté. À part, donc, du coup, bien sûr, les mods que je viens d'ajouter pour les trois derniers épisodes. Mais c'est des mods pratiques, c'est pas des mods cheat. Et du coup, voilà, j'ai pas envie de me permettre de me give un truc, même si c'est la fin du let's play. Si je veux faire un truc clean... Eh ben je le fais à 100%, voilà, tout simplement. Oh, messieurs, dames, regardez sur quoi on tombe. Mais attendez, je suis jamais passé par là. What the fuck? Oh, je me sens tellement con. Attendez, avec Gabi, on est installé où? Ah non, on est installé à l'opposé. Je vous rappelle encore une fois, les gars, hein, si vous êtes en manque de Sons of the Forest, allez sur la chaîne de Gabi et vous me retrouverez complètement fou en coop. Et ça régale de ouf. Mais c'est vrai que cet endroit, oh, super, décharge C4. Eh les gars, mais je... Pareil, je suis passé plusieurs fois à côté de cet endroit. Je ne l'ai jamais vu. Ah, on arrive sur une zone dégagée qui ne me dit rien non plus. Ah si, on est déjà passé par là. Ah mais oui, c'est le terrain de golf. Waouh, mais et vous savez quoi? Il y a des cannibales. Le fait de passer par en bas, je ne reconnaissais pas. On passait toujours par en haut, les gars, en deltaplane. C'est incroyable. Par contre... C'est vraiment incroyable. Là on est au terrain de golf. Le grand terrain de golf avec justement bah, le point vert. Mais c'est logique. On est passé par là 20 fois, 30 fois. Mais par en bas je reconnais pas. Voilà, moi je voyais comme l'oiseau là-haut. Ça c'est pas la même vue.
Tout est une question de perspective, tout est une question de point de vue. D'ailleurs, j'en profite pour faire une auto-promo parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est réel. Tout est une question de point de vue. N'hésitez pas à regarder mon mini let's play de 4 épisodes, les gars. 4 ou 5 épisodes, je ne sais plus. Sur le jeu Super Liminal ou Super Liminal, comme vous voulez. N'hésitez pas, je vous mets la fiche en haut à droite. Je vous mets en description également. N'hésitez surtout pas, vous allez être bouche bée. Ça dure 4 épisodes, les gars. C'est une régalade. Voilà. Oh attendez, on va pouvoir y aller en caddie de golf, je pense, du coup là. Mais voilà, super liminal, allez voir ce let's play qui montre vraiment que tout est une question de perspective, tout est une question de point de vue. Et j'ai envie de vous dire, voilà, c'est comme quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un et que vous êtes sûr de vous, et ben mettez-vous à sa place 2 secondes. Par exemple, toi tu vois un 6, mais lui de son côté il voit un 9. Et aucun des deux ont tort, parce que bah justement, d'un côté tu vois 6, mais de l'autre côté tu vois 9. Logique. Donc voilà. Alors on va se calmer quand même. Bonne nuit les petits. Superbe. Eh bah tu vois. Oh regardez, les feuilles deviennent oranges. L'automne arrive, l'hiver. Eh bah les gars, moi je vous le dis. Attends, je vais faire une petite save. Moi je vous le dis, quand on va ressortir à la fin du jeu, à mon avis, il y aura de la neige. Et ce sera comme pour la saison 1, souvenez-vous. Saison 1, quand, je crois que quand on avait fini le jeu, il y avait de la neige. Ça rendait le truc mythique. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je crois. Allez, on continue les amis, on se retrouve dès qu'on sera arrivé. Ah, ça fait quelque chose d'arriver là. Heureusement que on va en chier avant d'en finir. Là vraiment l'épisode va être à mon avis très très long. Donc encore une fois, c'est maintenant ou jamais de mettre pause et de chercher à boire et à manger. Parce que là, ça va partir en cacahuète. Mais quand même, ça fait bizarre d'arriver là. En plus c'est un coin sympa là aussi hein. Ça y est, le mec il veut s'installer là aussi. Mais c'est un coin sympa. Regardez, c'est un coin sympa en vrai. Je suis en train de répéter 3 fois la même truc. Ça veut dire que c'est très sincère ce que je dis. Il y a juste beaucoup de vent. C'est un coin super sympa. Bon, à part là du coup. Ok, bon bah les amis, are you ready? I don't know. Des piles, j'en ai encore. Oula, va falloir faire gaffe. Bon, on va y aller avec le briquet pour le moment. Mais après, vous inquiétez pas. Allez les amis, il est l'heure. On rentre. Oh my god. Alors oui, là, on va bien s'amuser. On a eu les petits freezes. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça charge un nouvel univers. Je sais vraiment plus à quoi m'attendre. Mais en plus, ça se trouve, la fin du jeu, elle est même pas là. Je sais même plus, en fait. Parce que je sais que la fin du jeu, on est dans une grotte. Là, on n'est pas dans une grotte. Bon. On va bien voir, ça c'est parfait ça. Ça ça régale. Ça c'est toujours sympa de faire le plein d'énergie. J'ai un médoc, je le mange direct. Voilà. Là l'idée c'est de préserver son inventaire. Le but c'est que l'inventaire ne bouge pas et qu'on mange tout ce qu'on voit globalement. Et l'inventaire nous servira dans les phases de combat. Bon là du coup, ah bah là tu vois je peux pas récupérer plus donc je le mange. Mais le médoc évidemment je le garde. Le petit lapin, bonjour. Hé, attendez. J'ai raté une pièce là. J'ai un souvenir. J'ai un souvenir, il y avait pas une pièce là. Waouh, alors à mon avis ça a encore changé hein. Bon, enfin de toute façon c'est sûr que ça a changé. Eh ben on n'est pas dans le zbeul hein. Il va falloir que je ne fasse pas attention à mes souvenirs et que je me laisse guider. Parce que là à mon avis rien ne sera comme avant, comme on dit. Oh my god. C'est pas Jojo hein. Ah voilà, c'est si si c'est ça. Ça je m'en souviens. Ok. Très bien. On peut sauvegarder ici, donc ça veut tout dire encore une fois. C'est un aller simple pour l'enfer. J'ai vraiment hâte hein, de la mise à jour 1.0 les amis. J'ai vraiment hâte, non pas pour avoir les réponses à nos questions, parce que en vrai de vrai, faut être un peu malin au bout d'un moment, ceux qui disent que le jeu n'est pas cohérent. Bon, d'accord, mais bon, quand tu réfléchis le synopsis, les notes, les papiers, il y a du sens. On sait que c'est des expériences, nanani nanana, de ramener à la vie, à la mort, rien. Hein, mais moi j'ai hâte de voir ce qui se passe, ces histoires de dimensions parallèles et d'artefacts. Qu'est-ce qu'il en est quoi? C'est ça qui intéresse vraiment quoi.
Y a rien à récupérer derrière le comptoir, m'étonne ça. Bon bah c'était une belle scène de crime ici. Magnifique, oula, on va éviter de tout casser, c'est un musée, très beau musée, regardez. The Holographic Tree. L'arbre holographique. On en revient au même avec ce fameux cube. Alors je vais prendre mon temps les amis, c'est la fin du jeu, et puis si ça peut nous permettre de encore mieux comprendre le jeu, c'est toujours sympa. Bon, c'est un musée du cube, hein. Et non pas un musée du cul. Vraiment, musée du cube. Fameux cube de dimension parallèle. Ok. La bonne musique par ici. C'est toujours plaisant, évidemment. Monsieur, bonsoir. Ah oui, bah du coup ça c'est nouveau parce qu'il n'y avait pas tous ces cadavres dans la saison 1. Donc tous ces gens de la secte qui ont été traînés et tués ici. Hollow Spring. Ouais, Boris, est-ce que vous avez le temps pour boire un coup? J'ai besoin de votre opinion à propos des rêves du cube dans la salle de bain. Bon voilà, ils ont fait des rêves. Waouh! La facture d'électricité, mon dieu. Très bien. Voilà, je voulais me défouler, j'ai la rage. Alors, ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes. Oui, ça je prends, ça je prends, ça je prends. Tout ça je prends, messieurs. J'aime l'argent. Je deviens michto comme Gabi. Oh. Ok. Grenade, magnifique. Et ça j'en ai à balle. Qu'est-ce qu'on peut faire du C4? Qu'est-ce qu'on peut faire du C4? Explosif flèche. Ouais, bon, on va pas user les piles pour ça, hein. Clairement. Les piles, on en aura besoin pour la lampe torche. Oh. Ok, très bien. Une petite ville souterraine quoi. De quoi se maintenir en forme, se divertir. Ok, magnifique. Ah, on en apprend beaucoup plus là. Ok. Donc à la base, de la base, cet endroit n'avait rien à voir avec une expérience, avec des expériences quoi. À la base, c'est juste voilà, une petite ville souterraine. Enfin, tu vois, un petit endroit cosy quoi. En vrai, c'est cool. C'est un endroit cosy de ouf à la base, si vous regardez pas ça. C'est un endroit cosy de ouf pour le milliardaire, etc. Tu vois. Je rappelle qu'à la base, c'est une île qui appartient à un milliardaire. Enfin, qui appartient, tu m'as compris, hein, qui a été acheté par un milliardaire. Et que voilà, il se fait sa petite cité, quoi. Sauf que, ben, quelque chose a mal tourné. Ouais. Très bien. Ah, c'est chouette. L'idée est chouette. Rescued, Eric Leblanc, ça c'est mon livre. Enfin, mon livre de The Forest. Puisque nous n'incarnons pas Eric Leblanc. Ça c'est génial. Et oui, c'est la fin de The Forest dans ce livre, les gars. Oh là 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 là, c'est légendaire. C'est légendaire. Merci, merci, merci. Ok. Mais c'est trop bien, je redécouvre la fin du jeu. Je sais même plus s'il y avait tout ça dans ma saison 1, les gars. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être fini le jeu entre temps, mais moi là, du coup, pour moi, c'est vraiment une découverte slash redécouverte. Parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai certainement déjà vus. Bon, ça par contre, je peux pas traduire. Hein. Je veux bien être un peu bilingue, mais là, c'est un peu complicado. Hein. On peut encore sauvegarder ici, c'est marrant. Hein. Bon, ça veut rien dire. Les lits sont faits pour être sauvegardés. Donc, oh, une croix. On a déjà une croix de toute façon. Comment faire pour tuer une casserole? Non mais les gars, là ils nous ont mis Gucci hein. Moi j'en ai pas besoin, j'ai déjà une casserole remplie. Mais là ils nous ont mis quand même Gucci. Petit billard. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez que je suis un très bon joueur au billard. N'hésitez pas à me follow sur Instagram. Là, c'est vraiment l'épisode de l'auto-promo. Et donc nous sommes donc dans la salle de bain, là où tout a commencé entre guillemets, où il y a eu des rêves de cube. Par contre, j'ai soif et j'ai pas envie de claquer l'eau de mon inventaire. Ah bah voilà, on est dans la grotte. Ça va où là? Ok. Et là, y a pas une caméra de surveillance? Parce qu'on avait vu, souvenez-vous, on avait vu une image dans une télé. Bon, ça date d'il y a quelques épisodes quand même, hein, au début de l'aventure. Où on voyait Timmy.
Timmy rentrait dedans. Je m'en souviens très bien, ouais. Bon, manifestement, on va boire. Énergétique. Ça me semble pas trop mal. Je vais m'équiper de l'armure en or. Pour des raisons, somme toute évidentes. Alors, l'armure en or, je me suis vraiment renseigné. Elle ne protège de rien, sauf des démons. Voilà. Allez! Et là, imagine, j'ai pas la... Ah bah si. J'ai l'armure en or. Qui nous permet donc d'ouvrir. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant de ouf. J'ai pas envie. Eh, je vous le dis direct de nouveau, je m'en fous, hein. Je vais rush. Je vais même pas chercher à les affronter, les gars. Oh, ouais. Je vais pas chercher à affronter les petits démons, là, hein. Il m'entraîne... Bonjour! Au bout de la nuit. Bon, ok. On va juste faire un test. Ah! Ok. Est-ce qu'il brûle ou pas? Ok, il brûle, c'est bon. Donc ça marche. Maintenant, je veux voir à quel point. Ah ouais, il s'en bat les steaks. Ça y est, il est mort. Ok. Par contre, ça c'est Gucci aussi parce que ça fait de l'armure. Ah mais je peux pas en porter plus, je crois. Ah non, c'est du gâchis. Je peux pas en porter plus, ouais. Dommage. Bon, du coup ça sert à rien que je les tue. Bah RIP du coup. RIP. Aïe 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 aïe. Quand je vois la fin du jeu, j'ai juste pas envie de faire une saison 3. Ça veut dire qu'il faudra le faire encore. Oh là là. Ok. Bon là je sais que ça va, c'est après que c'est compliqué. Alors là, ok, je descends. Comme dit, c'est un aller simple. Pour l'enfer, hein, toute façon, je pense que ça se remarque. Hein. Ça se remarque. Et on l'embrasse d'ailleurs, Marc. Ok, j'ai cru que c'était un... Oh là là, heureusement là, j'ai masse endurance. D'où l'importance de bien manger, bien boire. Mangerbouger.fr, les gars. Oh là là. Il y a du beau monde. Alors là, mon poteau, comment te dire? Comment te dire? Allez, salut! Comment te dire? Comment t'aimer? Oh non. Allez, on rush, de toute façon, on est là pour rush, les gars. Je vous le dis, hein. De toute façon, rien à récupérer. Je fais quand même attention, je garde un œil ouvert. Je suis assez bien réveillé, vous inquiétez pas, donc je pense pas qu'on va passer à côté de quelque chose, mais... Là, mon poteau... Tu m'excuseras. Oh là là. Oh là là, je dois aller où? Ah, 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 derrière moi, derrière moi. Dégage! Ça le racaille! Voilà. Waouh. Arrête, putain. T'es un gamin. T'es un gamin. C'est des gamins. Arrête, 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 arrête. Arrête, arrête. Arrête. Bon, l'armure en or, en effet, m'a... J'ai perdu de la santé, mais c'est pas énorme. Oh. Email collecté. Est-ce que tu crois que c'est le moment de le lire? Honnêtement. Est-ce que c'est le moment de le lire? On le lira après. Arrêtez. Arrêtez. En plus, l'animation pour tendre la croix, c'est une galère. Hein. Ceux qui ont joué, vous savez, mais c'est une galère. On dirait pas... Quand vous voyez, vous dites, c'est simple. Arrête! Mais c'est trop compliqué. Allez. Voilà. Meurs. Meurs. Allez. Voilà. Jusqu'ici ça va. Arrête, putain. Là il y a des trucs. Je récupère tout. Je récupère tout, j'ai pas fini. Meurs. Voilà, j'ai récupéré. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Eh, j'ai... En vrai, je les affronte quand même, hein. Là, vous pouvez pas dire, hein. T'as vu, en vrai, je porte mes couilles, hein.
Du coup je les dépece pas, je rappelle que j'ai un maximum d'armes d'armure donc je ne peux pas les dépecer, enfin ça sert à rien quoi. Donc j'en profite, ça me permet de rush un. Mais en même temps de l'affronter, parce qu'il faut affronter ces démons. C'est mon tatouage, Fight Demons. Et regardez, 3v1 les gars, 3v1. Peut-être même plus. Ah oui, largement plus. Allez, salut. Salut les cassos. C'est un peu des cassos en soi. Arrêtez. Arrête. On arrête les bêtises maintenant, hein. C'est fini, hein. C'est fini les bêtises. En plus, c'est vrai, il y a un boss final qui nous attend. C'est pour ça, faut pas non plus trop se mettre dans la galère. Parce qu'il y a un boss final. Sans mettre spoil, vous me l'aviez dit. Donc... Et il faut arrêter maintenant, hein, les bêtises. Bon, je suis ravi parce que ça me fait moins peur. Parce que la première fois, la saison 1, ça me faisait trop peur. Là, en vrai, j'ai pas trop peur. Je suis assez fier de moi. Ah! Des barres de rire. Ah! Stop là! Y'a quoi de l'autre côté d'ailleurs? Arrêtez! Il faut que je reprenne mon souffle. C'est beaucoup d'anticipation, hein. C'est comme chauffeur poids lourd. Monsieur? Ah ouais, il prend 30 ans à... Oh, c'est pas du tout fini. C'est pas du tout fini. Faut faire gaffe parce qu'il me reste plus qu'une pile après, hein. Bonjour. Wouah. Comment faire pour tuer mes démons? C'est impressionnant. C'est grand, c'est géant. C'est magnifique. Par contre, vous avez vu, ils ne prennent pas feu dans la lave. Par contre, regardez, là, ils prennent feu. Quand je leur mets la croix, c'est marrant, hein. Oh, vous entendez? Oh, énorme! Oh, c'est trop bien fait. Oh là là! Incroyable. Il y a un boss. Je suis là, mec! Oh non. Oh non, le boss. Non, meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas. Est-ce qu'il va réussir? Oh, c'est excellent. Timmy le boss. Oh! Timmy! Ah! Arrête. Timmy, Timmy, Timmy. Viens, on se casse, Timmy. On peut pas. Super. Ok, j'ai capté. J'ai capté Aïe. Ouah, dans ta face de rat. Sale racaille. Arrête. Oh, c'est trop chaud. Oh, c'est trop chaud. Timmy. Oh, il va sur le plafond et tout. J'ai trop le seum. Je vais mourir. Je vais vraiment mourir là. Arrête. Arrête. Non, c'est trop dur. C'est trop dur. Timmy, à l'aide. À l'aide, Timmy. Je vais mourir. Je vais mourir, il me faut ma croix. Ok. Non. Non, je vais mourir, je vais mourir. Faut pas que je meure. Bon bah... Bah ça régale en fait. Ah ouais, quel enfer. Eh bah je m'attendais pas à ça, voilà. Je m'attendais pas à ça. Je suis choqué, déçu. Dis-moi que je respawn à côté. Ah oui. Je suis où les gars? Allô? Mais c'est trop débile leur machin. Mais les gars, laissez-moi respawn au moins, non? Par contre c'est abusé, hein. On aurait... Pourquoi on peut pas se barrer là avec Timmy là? Pourquoi on est obligé d'affronter le vilain là? Il suffit juste de passer par le petit trou derrière et puis c'est bon quoi. Oh la galère. Bon allez, je tente, de toute façon. Allez, meurs. Par contre je vois rien là. Ok. Mourez, misérable. Ah, ils veulent pas, hein. Faut leur mettre 3 coups de croix. Ok, mort, mort. Ah ouais, ils disparaissent.
J'espère qu'il respawn pas du coup. On dirait il respawn. Non, s'il respawn, c'est la merde. Il respawn pas. Il respawn pas. Bon bah on va devoir se les faire un par un les gars. J'ai compris. Ça me permet de pas bâcler le travail d'ailleurs. Hop. Tu l'as pas vu venir. Tu l'as pas vu venir celle-là. Tu l'as pas vu venir hein. Allez viens. Ok. Monsieur, est-ce que... Oh bâtard. Ah ouais, non mais là c'est trop grave. Allez, ouvre ton inventaire en... Pas vrai, j'ai plus de médoc hein, si jamais bonjour. Allez, on reprend le pompe. Dans ta face. Dans ta face. Ah ouais. C'est trop grave. C'est trop grave. Il est mort, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est ultra mort, attendez. Ok. Ok. Ouh. Bon, c'était que de l'armure. Ouh. D'accord, y'a rien de spécial. Je pense que j'ai dépecé, non c'est bon. Oh les gars. Go 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 go. Timmy, t'es où? Timmy, est-ce que c'est toi? Timmy. Oh my god. Oh my fucking god. C'était ça le boss final? Ça m'étonnerait hein. Attends, je vois rien. Ah oh là oh. Oh. Alors, c'était pas le boss final hein. C'était clairement pas le boss final. Wouah, c'est chaud mec ce qui nous attend là. Oh. Non, j'y crois pas hein. Oh non non non. Oh non 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 non. Oh. Bon, t'as vu, j'étais bien équipé parce que vous avez vu. Bon, juste les médocs, c'est parfait. Ah non 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 hein. Ah non 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 hein. C'était pas le boss final hein. Ah, c'est super. Allez les gars, il est l'heure. We're out of time. No, 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 no. Wouah, c'est fou. Donc le cube, comme dit, a protégé la transformation. What? Non. Tes lèvres pulpeuses. Tes lèvres pulpeuses. Oh non. C'est le grand méchant.
Vous avez vu sa tête? C'est le mec qui nous a tabassé. C'est le mec qui nous a tabassé dès le début. Oh non. Timmy? C'est une blague. Je refuse d'y croire. Wesh. Oh putain. Mais putain. Mais c'est pas possible. Lâche ton hélico. Mais arrête. C'est honteux. C'est honteux, je me casse. Arrête. Ah ouais, non mais là okay. Comment tu t'en sors? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait pas mettre de l'armure? Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'il faudrait pas allumer la molo? Peut-être. Arrête. Voilà. Allez. Alors, ouais, faut quand même me laisser la possibilité de régène. Pareil, je me mets en pause. Et franchement, les gars, c'est cheaté de pouvoir régène avec le jeu en pause. Parce qu'en multijoueur, ça marcherait pas comme ça. Mais y a pas le choix, tu veux faire comment? Là, je vais me faire soulever, là, hein, il me one-shot. Hein. Ouah, c'est trop dur. Ah, oh, c'est ça qu'il faut. Bien sûr. Ok, vous êtes prêts? Oh non. Oh oui. Adieu. Oh non. Oh oui. Oh bien. Oh non. Oh non. Oh non. Mais là il est vénère là. Allez. Viens sur moi. Allez super. Dans le vent ça régale. Ça régale. Oh non mais c'est pas vrai. J'ai tout mis à côté. C'est comme quand je pisse. Arrête. Ah non c'est pas vrai, j'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde. Ah purée, c'est pas possible. Heureusement j'ai l'armure là. L'armure en or elle protégeait pas hein. Franchement hein. Arrête. Arrête. C'est bon, il prend feu de nouveau. Bon bah j'ai plus de molotov hein, ça régale. Ça régale. Non. MDR. Allez. C'est improbable. Improbable. Oh non. C'est horrible. Comment tu veux faire? Je mets tout à côté. Je mets tout à côté, c'est génial. J'adore ce jeu. Viens voir. Oh bah, oh j'ai cru que j'avais réussi un truc de ouf et en fait pas du tout. Ouais, il m'envoie des cailloux. Hop là. Grosse merde. Aïe. Je rigole. Tranquille. C'était une vanne à la base hein. C'est une vanne. À la base. Je sais pas où je dois tirer en plus, c'est formidable. Ah! Oh là 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 là, il me fait trop peur en plus. Oh, il faut que je recharge. Pas vraiment le moment. Ah, il me lâche pas là. Ok. Oh. Oh bâtard. Non mais là j'ai plus d'énergie là. J'ai plus d'énergie. Oh là 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 là. Les gars il me reste 5 grenades. Oh. Oh je me suis pété moi-même en plus. Je suis mort. Allez oui. Voilà. Reste ici. Non.
Je comprends pas à quel moment envoyer la grenade. Oh là 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 là, c'est insupportable hein. C'est un supplice hein. Ok. Ah là j'ai plus d'énergie donc on va essayer de récupérer si c'était possible. Voilà. Voilà. De l'armure, de l'armure, de l'armure. 1, 2, 3. Oh là 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 là. Il me déglingue la gueule hein. J'ai plus de grenade. J'ai plus de grenade, j'ai plus rien. Oh Dieu merci. Oh Dieu merci. Dieu merci. Wouh. Aïe 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 aïe, quel bonheur. Et ils se font un petit câlin, le père et le fils. Donc on rappelle bien sûr que là le père là c'est celui qu'on jouait normalement dans The Forest. Son fils Timmy à côté, donc l'enfant qu'on avait sauvé dans The Forest. Voilà. Ça régale, moi je reste ici bien sûr, pour des raisons somme toute évidentes. Mais le cœur y est. Le cœur y est les amis. Je suis ravi. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas hein. Je suis ravi. Le seul truc que je trouve dommage, sauf si ça va changer, on va voir, mais c'est que quand tu décides de rester, il n'y a pas les crédits de fin du jeu. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est certainement un choix, évidemment, mais je trouve ça vraiment dommage. Ça rend bien dans l'idée que, bon, bah voilà, en fait, c'est pas la fin, on reste. Mais en même temps, bon, c'est toujours sympa d'avoir cette sensation d'avoir à peu près fini le jeu et d'avoir une, bah, le générique de fin, quoi. Mais messieurs, dames, c'est officiel, nous avons fini le jeu pour cette saison 2, pour cet épisode 41. Incroyable. Incroyable. Virginia, en plus, elle arrive avec un écureuil dans la main. Tu sais, genre, on vient de se battre, mais bon, vas-y, elle vient avec un petit cadeau. Salut, Loulou. Faites attention à pas vous cracher, hein, quand même. Ce serait bien dommage. Bah, Virginia, oui, Didit, on l'a fait. Bon, vous m'aviez dit, a priori, il y a des surprises, genre maintenant il va y avoir des gros mutants qui se promènent, etc. Enfin bref. Merci Virginia. Ah, ça c'est fait les amis. Bon bah, c'est officiellement la fin. J'aimerais juste voir une note qu'on a ramassée, parce qu'on a ramassé des trucs dans la grotte. Donc j'aimerais bien voir les notes qu'on a ramassées juste. Ah, je me sens vide. J'ai l'impression je me suis vidé quoi. Mais c'est incroyable, on en apprend quand même beaucoup plus. Donc on sait que là où on était, bon bah, c'était un endroit pour les riches quoi, voilà, c'est un petit truc sympa. Par contre dans la baignoire, il y a un gars qui a eu cette vision de rêve de cube. Et en gros, il y avait un timer. Oh bonjour. Il y avait un timer et tout le monde sur l'île se transforme. Et le cube nous a empêchés de nous transformer. Par contre, Timmy, lui, vous avez vu, il continue de se transformer. Son bras il s'était transformé machin et tout. Mais ça on le sait parce que déjà sur The Forest, Timmy il avait des crises et tout, souvenez-vous. Donc ça c'est normal, tout est lié. Ceux qui voyaient pas le lien, bon c'est compliqué hein. Il est assez grand quand même le lien entre The Forest et Sons of the Forest. Et l'autre, alors on sait toujours pas pourquoi malheureusement. Mais le mec qui nous a attaqué au début du jeu, bon du coup on l'a tué, parce que c'était lui le boss final. Mais ouais, par la suite on devrait en savoir plus. Mais c'est pas mal en vrai, on commence quand même à... Bah, par rapport à la saison 1, là au moins je comprends mieux quand même ce qui s'est passé, tu vois. Donc ça c'est cool. On a récupéré des trucs. Livre, banderole. C'est quoi qu'on a ramassé en fait? Je sais plus c'est quoi qu'on a ramassé dans la grotte. Ah dommage. Bon bah messieurs dames, voilà qui est fait. Alors sur ce magnifique coucher de soleil qui est de l'autre côté de l'île en fait, et bah je voulais encore une fois vous remercier vraiment pour votre fidélité du début jusqu'à la fin. Bienvenue et merci à ceux qui m'ont découvert au fur et à mesure des épisodes, qui ont rush les épisodes, qui ont regardé l'un après l'autre directement. Gros big up. Voilà, j'ai eu pas mal de critiques aussi.
m'en fous, c'est pas grave. Je veux dire, c'est ma chaîne YouTube, donc je parle comme je veux. Je dis ce que je veux, en fait. Je vais pas me censurer pour 2-3 personnes. À un moment donné, le jeu, il est classé Peggy, je sais pas combien. Je suis moi-même. Merci à tous de m'avoir suivi pour ça. Et rendez-vous donc pour la suite, dans un mois maintenant, pour la mise à jour 1.0. Soit saison 3, soit juste des vidéos où on voit les fameuses grandes nouveautés. J'ai hâte en tout cas, vraiment. Et c'est la fin d'un cycle. C'était vraiment cool. N'oubliez pas, maximum de likes. Le commentaire qui fait plaisir, j'ai hâte de vous lire. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.